La délégation ministérielle menée par la ministre de l'Habitat, des Infrastructures et des Transports publics, Pamela Charlette, a été reçue à Ibène par l'équipe de Metro Express Limité. Les invités sont à Maurice pour collecter des informations sur la réalisation et l'application de ce projet d'envergure qui révolutionnera le secteur du transport dans l'île. La ministre Pamela Charlette se dit impressionnée par la mise en place du projet. Il est un projet qui est bien grand démarré et qui sont l'implémentation aussi. Les MOP voient son bon plan qu'ils ont en a. Il est vraiment un petit peu même ambitieux, mais qui réel. Nous comptons pour nous voir que Maurice est développé de sa façon et que nous sommes capables d'apprendre avec les autres. Sur le chantier, les travaux avancent à grands pas. Plus de 70% ont été complétés. L'exercice de recrutement se fait en parallèle. Le projet Metro Express, à ce jour, we are on track. Nous avons plus de 70% de progrès. Et là, nous pouvons travailler au plus de 32-33 sites partout. Et aussi, nous pouvons get ready for operation. Puis, nous advertise beaucoup de positions pour les opérations. Et nous pouvons bien dire une fois apply. Par exemple, il y a un train captain, par exemple, il y a un engineer, par exemple, il y a un operations maintenance staff, etc. Donc, nous pouvons progresser bien, bien vite. Pour rappel, le coup d'envoi des travaux pour le Metro Express a été donné l'année dernière. Selon le compte à rebours de Metro Express Limité, il reste 154 jours pour boucler ce projet faramineux.